Alors, nous allons parler maintenant des lipides qui constituent une autre famille de biomolécules. Les lipides, ce sont bien sûr les huiles, les corps gras. Alors, les lipides sont obtenus par une réaction qui s'appelle l'estérification. L'estérification consiste à mélanger un acide avec un alcool pour obtenir un ester plus de l'eau. Les lipides contiennent cette fonction que l'on appelle la fonction ester. Alors l'acide que l'on va mélanger avec l'alcool, les voici. Alors l'acide, c'est un acide gras ou acide carboxylique qui contient la fonction COH, donc la fonction acide carboxylique, que l'on mélange avec la fonction alcool ici, OH. On obtient par estérification donc la fonction ester COO ici, plus de l'eau. R ou R', ce sont des chaînes carbonées qui contiennent plus ou moins un grand nombre de carbones, par exemple 10 carbones. Cette réaction est lente, limitée et athermique. Athermique, c'est-à-dire qu'elle ne dégage pas de chaleur et elle n'a pas besoin non plus de chaleur pour se produire. Alors, comment tester les acides gras? Comment savoir si on a un acide gras? Eh bien, c'est très simple. Un acide gras est un acide carboxylique, donc c'est un acide, donc il a un pH plus petit que 7. Donc vous prenez du papier pH et vous vérifiez que le papier pH a une couleur jaune, orange, et vous savez que vous avez un acide. Comment tester les lipides, qui sont des esters? Bien, c'est facile, vous prenez du papier, vous frottez le corps qui contient l'ester ou le lipide sur le papier, puis vous séchez. Si vous observez une tache translucide, c'est que le corps contenait bien un lipide. Alors, comment se fait cette réaction? Bien, cette réaction se fait dans le montage qui est le suivant, qui s'appelle un montage à reflux. À reflux, ça veut dire que toutes les vapeurs qui vont se dégager ici dans le ballon vont se recondenser ici dans ce réfrigérant à boules pour retomber ici dans le ballon. Donc, on va faire circuler de l'eau froide ici, par en bas, qui va ressortir par le haut pour pouvoir justement recondenser ces vapeurs. On va utiliser, alors puisque la réaction est lente, on a dit, il va falloir utiliser quelque chose qui accélère la réaction, c'est ce qu'on appelle un catalyseur. Et le catalyseur que l'on emploie couramment, c'est l'acide sulfurique qui va accélérer donc la réaction. Alors revenons sur cette réaction d'estérification. Donc on prend un alcool, un acide, on obtient de l'ester et de l'eau. La plupart du temps, l'alcool que l'on va utiliser, c'est le glycérol. Donc ça se termine par ol, comme alcool. Le glycérol, vous voyez, il y a une chaîne carbonée avec trois carbones ici et trois fonctions alcool, une ici, une là et une là. Son nom en nomenclature officielle s'appelle le propane 1,2,3-triol. Alors pourquoi propane? Ben, propre veut dire qu'il y a trois carbones dans la chaîne carbonée. Triol, trois fonctions alcool qui sont ici, ici et là, positionnées sur les carbones numéro 1, 2 et 3. Le carbone numéro 1 contient une fonction alcool, le carbone numéro 2 une fonction alcool, et le carbone numéro 3 contient aussi une fonction alcool. Regardons maintenant l'acide oléique. L'acide oléique, c'est un acide carboxylique, donc il contient la fonction COOH. Alors, je vais prendre trois acides oléiques, puisque le glycérol contient trois fonctions alcool. Donc, je vais faire réagir chacune des fonctions alcool avec chacune des fonctions acides qui sont présentes ici. La fonction alcool réagit avec la fonction acide pour donner la fonction ester ici, COO. Et il y a un dégagement de molécules d'eau ici. Cette molécule, c'est ce qu'on appelle l'oléine. L'oléine qui se retrouve bien sûr dans les huiles d'olive, puisque oléine vient du mot olive. Et c'est un ester, puisqu'il contient trois fonctions ester. On dit aussi que c'est un triglycéride ou triester. Alors, les acides gras. Les acides gras qu'on va utiliser peuvent être dits saturés ou insaturés. Alors, saturé signifie que dans la chaîne carbonée, il n'y a aucune double liaison C-C. Je prends par exemple l'acide gras qui est l'acide butanoïque, qui se termine par la fonction COH, donc c'est un acide. Vous voyez qu'il n'y a aucune double liaison entre les carbones ici, ici ou ici. Les acides gras insaturés, eux, contiennent des doubles liaisons.
carbone-carbone. Prenons cet exemple-là. Donc nous avons un acide gras, puisqu'il contient la fonction COOH. Et si j'examine la chaîne carbonée, je trouve à la fois ici une double liaison, on appelle ça une insaturation, une autre insaturation et une autre insaturation ici. Donc nous avons trois insaturations ou trois doubles liaisons. Donc l'acide gras est dit insaturé. Alors on peut le noter d'une certaine façon. Alors comment on va le noter? Eh bien on va dire que si on compte le nombre de carbones, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, on a 18 carbones. 3 insaturations, 3 doubles liaisons. Et la première insaturation se situe ici, sur le carbone numéro 1, 2, 3, en partant de la fin. Donc je vais mettre oméga 3, oméga signifie la fin, 3, c'est le troisième carbone en partant de la fin. Donc la première insaturation se trouve à partir du troisième carbone terminal. La réaction inverse de l'estérification s'appelle la réaction d'hydrolyse. C'est logique puisque pour former un ester, on mélange un acide plus un alcool, cela donne de l'ester plus de l'eau. Si je fais la réaction inverse, je prends l'ester plus de l'eau, je vais obtenir bien sûr l'acide plus l'alcool. Alors, je vais faire donc cette réaction d'hydrolyse, mais en milieu basique. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre de l'eau, je vais prendre de l'eau et une base, par exemple la soude. Alors cette réaction porte le nom également de saponification, puisqu'on va obtenir un savon. Alors prenons donc un ester, par exemple celui-ci, qui contient COO, qui est contenu dans une huile d'olive, l'oléine par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Mélangeons cet ester avec une base, prenons la soude, Na+OH-. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, l'ester va former donc cette fonction COO-. Alors, c'est quasiment COOH, vous voyez, sauf que ici, on a plutôt un hydrogène qui est parti. L'ion Na+ qui est ici va se coller, puisqu'il est attiré par la charge négative. Et tout ceci va former ce qu'on appelle un savon. La partie ici, la chaîne carbonée R', va se coller à OH pour donner un alcool. Alors cela ressemble, c'est très très proche en fait de la réaction d'hydrolyse de l'ester. Hein, vous voyez, l'ester plus de l'eau donne un acide plus un alcool. Sauf que là, on a remplacé l'eau par de la soude. Donc au lieu d'avoir un acide, on a ici la base conjuguée de l'acide, COO- et non pas COOH. Mais c'est quasiment la même chose. Donc ici on a la base conjuguée de l'acide plus l'alcool.